Au terme de l'opération d'emprunt obligataire BDAC 5,45% net 2020-2027 par appel public à l'épargne pour un montant de 100 milliards de francs CFA, initié par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, étendu sur la période du 21 au 29 décembre. Harvest Asset Management avec une participation estimée à 2 milliards de francs CFA. Un chiffre élogieux qui traduit ici la volonté de la société de s'inscrire durablement dans le marché financier sous-régional et participer activement pour le compte de ses clients au projet de développement de la zone CEMAC. L'objectif c'est tout simplement de collecter de l'épargne dans un cadre réglementé, parce qu'il faut, j'insiste beaucoup sur le cadre réglementé, c'est une activité qui est réglementée par la COSUMAF, qui est le régulateur des marchés financiers, c'est de collecter cette épargne et de placer sur les marchés financiers justement. Au classement final des souscriptions, les gestionnaires d'actifs sont classés en 4e position avec 1,9% derrière les banques, 82%, les compagnies d'assurance 7,7%, les personnes physiques 5,6% et devant les autres personnes morales 1,4% et les microfinances 0,9%. Les fonds mobilisés par la BDAC serviront à financer la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires du